Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Poitou et c'est 4e de couverture. Margot de Montmirail. Margot est une enfant créole née à la fin du XVIIIe siècle dans l'île de Saint-Domingue. Le contexte colonial y est prospère. Orpheline de mère dès la naissance, elle fait ses premiers pas à Brésilienne, sous l'œil attendri de Caracalla, la mulâtresse. Sur l'habitation Gosseline, au-dessus de Jacmel, elle découvre avec Lola, sa sœur de lait, le bonheur de jouer les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Le remariage de son père, le déménagement à Cochon Gras et l'arrivée d'un demi-frère auront raison de son enfance sucrée. Lorsque vient le temps de penser à son éducation, Margot est confiée à Jean-Baptiste Allègre, négociant dont la famille opulente vit à Marseille. L'enfance salée commence. La révolution est là, la terreur s'installe, les camps opposés s'affrontent. L'époque napoléonienne n'arrange rien. Les migrations s'organisent des deux côtés de l'Atlantique dans des directions différentes, mais toujours en fonction des intérêts immédiats des uns ou bien des autres. Margot entame une errance sans fin. De Saint-Domingue à Montmirail, comment traverse-t-elle les tourments de l'histoire? Reverra-t-elle un jour sa famille restée dans l'île? Ici, au cœur de la Gâtine, dans ma maison secrète, nous sommes bien loin de l'île. Mais l'auteur que je reçois aujourd'hui a pourtant un lien particulier avec cette île lointaine. Bonjour Daniel Biodo. Bonjour. Alors vous êtes venu avec l'histoire de Margot de Montmirail. Qui est Margot? Alors Margot, c'est une enfant que je découvre par hasard. Au Havre, elle arrive sur un bateau de commerce, la Vénus, un bateau qui est piloté par le capitaine Cotin. Alors il faut dire qu'on est à la fin du XVIIIe siècle, c'est ça. En pleine révolution française. C'est ça. Et donc Margot, elle est seule sur ce bateau. Elle vient de Saint-Domingue. Alors évidemment, à partir du moment où on la trouve toute seule sur un bateau à 5 ans, en 1790, on se pose des tas de questions. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi est-elle seule? Où sont ses parents? Avec qui s'occupe d'elle? Où va-t-elle? Enfin bon, voilà. Donc l'histoire a commencé comme ça. Alors donc, bonne question. Pourquoi est-elle seule sur ce bateau en pleine Révolution française? Eh bien, tout simplement parce que le papa s'est remarié, la maman est décédée en couche, le papa s'est remarié, et donc du coup, la révolte gronde à Saint-Domingue, et donc on envoie Margot en France pour y suivre une éducation, pour y suivre des études. Elle n'est pas seule sur le bateau, elle est avec l'associé de son père, qui va l'emmener dans... Enfin, alors c'est une famille assez opulente, assez prospère, et qui va l'emmener à Marseille, dans une pension de famille. Son tuteur étant plutôt royaliste, même très royaliste, va être impliqué dans des tas d'affaires et la fuite. Ce voyage de Saint-Domingue à la France, au Havre, va marquer un tournant, une cassure dans l'enfance de Margot. Et vous appelez ces deux enfances l'enfance sucrée voilà. Et l'enfance salée. Et l'enfance salée, c'est ça. Alors pourquoi l'enfance sucrée et l'enfance Alors l'enfance salée sucrée parce que nous sommes aux Antilles. Nous sommes aux Antilles, nous sommes dans une famille de colons et qui produit du sucre. Et donc voilà pourquoi. Donc tout va bien. Bon, il y a des mulâtresses, il y a des carterons, des tiercerones. Bon, on s'occupe d'elles et ben, tout va bien. Tout va bien jusqu'au jour où il faut partir en France. À Saint-Domingue, sa famille dirige une plantation, il y a des esclaves. C'est aussi oui. La vie des plantations c'est de ça. Cette époque. C'est sa mère qui vit dans une famille de colons établie. Et donc, effectivement, il y a des esclaves. Donc, on découvre, il faut découvrir tout ce vocabulaire donc de carteron, de tiercerone, etc., de mulâtresse. C'est un petit peu difficile. Mais au milieu de tout ça, elle a... Oui, et puis cette certaine désinvolture devant la vie des...
devant la vie de ceux qui travaillent là, y compris d'une famille qui a priori est plutôt sympathique, la famille de Margot, on s'attache plutôt à elle, et parfois on les entend dire des choses C'est des mots qui choquent, effectivement. C'est très choquant aujourd'hui. C'est pour ça que ça a été dur aussi. Il faut intégrer tout ce vocabulaire-là, ce vocabulaire qu'elle entendait, elle. Donc, mais elle vivait avec, il y avait les fleurs, il y avait les poules, il y avait, voilà, tout allait bien, on s'amusait. Oui, puis il y avait Caracalla, la mulâtresse. Il y avait la mulâtresse. Qui l'a élevée. C'est voilà. Ça, donc il a protégé, surprotégé, et ben, qui lui a fait vivre, découvrir toute la vie de la colonie à ce moment-là. Quoi. Donc ça, c'était l'enfance sucrée. C'est ça. Donc elle va quitter tout ça, elle va quitter sa grand-mère, elle va quitter Caracalla, et elle va partir, son père va la confier à son associé pour qu'elle puisse avoir une éducation, qu'elle puisse aller à l'école et qu'elle puisse avoir une éducation qu'elle n'aurait pas eue à Saint-Domingue. Absolument. Donc à 5 ans, elle part à Marseille. À Marseille. Elle part à Marseille et donc son tuteur est impliqué dans les histoires révolutionnaires. Et bon, l'éducation se passe plutôt bien jusqu'au jour où on doit quitter la belle maison de Marseille et se réfugier un petit peu sur les hauteurs. Et quand on est sur les hauteurs, ben ça va encore plus mal, donc il faut encore partir ailleurs. Et là, on est à l'époque de la Terreur. C'est ça. Où effectivement, les royalistes sont pourchassés tant et plus. Et va commencer une longue errance. Qui va l'emmener d'abord dans un premier temps à Château-Gontier. De Château-Gontier, où elle va passer une partie vraiment très dure de sa vie, elle va partir sous Granville, Londres, l'Écosse. Elle a la chance de rencontrer des personnes quand même qui vont l'aider. Tout le monde n'a pas eu cette chance-là, je pense, à Londres. Oui, elle rencontre plusieurs... En fait, elle est très aidée dans son voyage, elle rencontre des bonnes personnes. Oui, elle a eu cette chance-là. Et donc, du coup, elle doit revenir. La femme de son tuteur décède. Donc, le tuteur la fait revenir à Londres. Et à partir de là, elle va rencontrer M. Billard de Vaux, qui va devenir son mari. Et à partir de là, ça devient compliqué. Enfin, finalement, après toutes ces années d'errance, elle va trouver refuge à Montmirail. Et là, elle va se poser, elle va poser ses racines. Voilà. Avec quand même toujours un peu l'espoir de repartir à Saint-Domingue, de retrouver ce qu'elle a laissé. Voilà. Mais c'est un espoir un peu illusoire. En fait, les retrouvailles vont se faire, mais 2 siècles plus tard. Mais ça, c'est pas écrit dans le livre. C'est à cause du livre. Cette Margot de Montmirail, elle ne fait pas partie directement de votre famille. Mais c'est tout de même à partir de recherches généalogiques vous avez imaginé ce roman. Je partage avec elle une homonymie maritale, et c'est en faisant de la généalogie que je l'ai découverte. Quand on découvre une gamine de 5 ans qui arrive sur un bateau de commerce, on ne peut pas rester insensible. Quand on écrit à partir d'une documentation généalogique, donc à partir d'événements réels, et qu'au bout de ça, il en sort un roman, comment est-ce qu'on harmonise la fiction et la réalité? Alors déjà, il faut s'imprégner de l'état des lieux, du moment, du vocabulaire, de la musique, de tout ce qui peut faire son environnement. Et on se laisse un peu porter. On se laisse un peu porter par les événements, c'est pas toujours facile, mais on arrive à reconstituer. Pour ce qui concerne l'enfance salée, j'allais dire que j'ai eu la chance quand même de tomber sur une correspondance qui est conservée aux archives de la Mayenne et qui m'a permis de poser, alors qui n'a rien à voir avec l'histoire qui m'intéresse, mais qui me permet quand même de savoir où elle est à tel moment. Et donc c'est à partir de ces lettres que j'ai pu reconstituer son parcours. Tout est à inventer. C'est-à-dire que tous les faits sont justes, sont exacts, ses trajets... Ses trajets sont exacts. Mais évidemment, vous avez apporté votre touche d'auteur au personnage. Où en êtes-vous maintenant? Est-ce que vous écrivez la suite ou est-ce que vous avez attaqué une autre histoire? Je lui laisse vivre sa vie, tranquillement. En revanche, oui, je continue à écrire. Il y a un troisième...
troisième ouvrage qui est en cours, qui nous emmènera du coup en Nouvelle-France. À partir de vos recherches généalogiques toujours. Oui, c'est ça, oui. C'est ma source. Votre livre, on le trouve facilement dans toutes les librairies? Alors, on le trouve sur commande. Voilà, sur commande, à mon domicile, donc daniel.bizet@gmail.com. Bon, ben merci beaucoup, Daniel. Merci. C'était Quatrième de couverture, Dany Ledu. Je recevais Daniel Biodeau pour son livre « Margot de Montmirail » paru aux éditions Baudelaire.